Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Balassa, on se retrouve pour une petite vidéo. Ah, ça bug déjà, on arrive. Une petite vidéo sur Senna. Senna, ça s'appelle comme ça, Senna. Senna, ouais, cool. Pour juste regarder un peu ses sorts et comment ça se comporte. Alors, en sachant que là j'ai des runes, faut pas regarder, j'ai même pas fait gaffe, j'ai inspiration. On s'en fout des runes, moi je voulais surtout regarder les sorts et qu'on découvre un peu ce champion. Alors. En sachant que je ne connais pas. Je vous avoue, j'ai pas trop regardé de vidéo avant. Alors, on va regarder ça ensemble. Oula, ouh, il y a de la lecture, les amis. Alors, ouais, absolution. Donc, Senna peut attaquer les âmes qui apparaissent à la mort des ennemis. Pour en absorber la brume. Elle peut également absorber la brume des champions ennemis qu'elle touche deux fois. Ah, le problème, c'est que là, on va pas pouvoir tester ça. On n'a pas de... Je crois pas qu'il y ait... J'ai pas de bot en face. Les champions ennemis, elles touchent deux fois. Ce qui leur inflige des dégâts physiques supplémentaires équivalents à 1% de leur PV actuel. 4 secondes de récupération par cible. Chaque effet cumulé par brume, de brume, confère plus 1 dégâts d'attaque. Tous les 20 effets cumulés de brume, Senna gagne plus 25 portées. Quoi ? Plus 25 portées d'attaque et plus 15% de chances de coup critique. 35% des chances de coup critique en surplus sont converties en vol de vie. Mais c'est insane. Canon ou pierre relique, les attaques de Senna sont plus lentes, infligent 10 points de dégâts physiques supplémentaires à la PAC et lui octroie brièvement 10% de la vitesse de déplacement de la cible. Ok. Lame de... Attends, c'est marqué quoi? La lame du voleur de sort et ses objets dérivés lui confèrent de la force adaptative plutôt que de la puissance. Ah ouais, ok. Alors, le Q. On va les farm, tiens. Ce fusil est bien léger si on le compare à mon fardeau. Ah, t'as un très gros fardeau alors. Alors, Senna tire un rayon d'ombre perforant de, à travers un allié ou un ennemi. Les ennemis subissent 50 dégâts physiques. Les alliés, les champions alliés touchés récupèrent, oui, 40 points. Ouais, ok. Ça veut dire qu'en fait, votre Q, vous mettez des dégâts ou vous rendez des PV à vos alliés. Ça, c'est plutôt cool. Ah, elle est longue à tirer, hein. C'est fou ça. Ah. Ok, du coup il y a une âme et si on tue l'âme, on récupère 3 PV, 3 PO pardon. Et en plus... Ok, c'est pas mal. Ensuite, Senna projette une vague de brume noire qui inflige un point de physique au premier ennemi touché. Après une seconde, la cible et tous les ennemis proches sont immobilisés. C'est pas mal ça. C'est ce qu'on a vu quand j'ai tiré. Ok. Très bien. On va augmenter de niveau. Le troisième, Senna se transforme en nuage de brume pendant 6 secondes et devient un spectre. Les champions alliés qui rentrent dans la brume sont camouflés et se transforment en spectre lorsqu'ils en sortent. Les spectres ont une vitesse de déplacement augmentée de 20%. Ils ne peuvent pas être sélectionnés ou identifiés tant qu'aucun champion ennemi n'est proche. Ah ouais, c'est-à-dire que, en gros, si toute la team est dans son bordel, tu sais pas qui est qui. Tant qu'il n'y a pas un mec proche ou j'imagine qu'il lui tire dessus aussi. Et du coup, par contre, c'est que des... Ah ouais, non. Ok, j'allais dire, ça, c'est une auto-guidée, mais non, du coup. J'aime bien le style du champion. En vrai, ça, qu'est-ce que ça peut faire, ça? Je sais pas trop quelle... On va mettre mana infinie, parce que ça va me saouler. Je sais pas trop quelle... quelle rune pour l'instant je mettrais. Mais c'est sympa. Alors l'ultime, Senna tire un rayon de lumière à portée illimitée.
Ok. Qui fait quand même toute une lane, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte du bordel. Les champions ennemis touchés subissent donc des dégâts physiques et magiques un petit peu. Les champions alliés retouchés dans une plus grande zone. Ah, c'est-à-dire dans la zone là que vous voyez ici. Enfin, je peux pas vous montrer, mais voilà, autour quoi. Reçoit un mot-clé pendant. Pouvant absorber, ok, des dégâts pendant 3 secondes. Les PV des boucliers augmentent avec la quantité de brume récupérée par Senna. La mort ne laisse pas de cicatrice. Genre la brume, c'est ça. Ok. Bon, ça tue pas les sbires. Mais genre, c'est vraiment illimité, attendez. Oh, y a un délire, là. Comment on fait pour... Voilà. Attendez, c'est pas mal, ça. Ah ouais, ça fait toute la map, ok. Effectivement. Par contre, ça... C'est énorme, ça. Alors, ouais, il y a combien? Il y a 146 de... Bah ouais, toute une lane, vous imaginez. Mais en fait, ça, tu peux pas l'éviter. C'est impossible. Et mec, par contre, c'est trop fort. Bon, on va faire un petit bac. On va se mettre des thunes. On va s'ajouter tous les niveaux. Luciane a cru m'avoir perdu, mais j'ai seulement changé. On peut pas vendre. Je peux pas le vendre, vraiment. Oh putain, je vais devoir faire un truc avec ça. On va faire ça. Qu'est-ce qu'il conseille? Ouais, il conseille ça. Pas sûr. Hein. Je sais pas ce que je ferai avec, en item. Vous croyez que c'est plutôt assassin? Que c'est plutôt... Je sais pas. Quoi? Mais j'ai toujours... De ma gueule. Mais moi, à partir de ça, je voulais faire en fait. Ah, ok. Si la vie est ma malédiction, pourquoi pas? Bah, il est bugué le truc, je pense. Solution. Logiquement, voilà. Ah, j'ai pas fait de bot. Ouais, le mec, il a pas fait de bot quand même. Alors, en tout cas, mettez-moi en commentaire voir ce que vous verrez dessus comme item. Moi je sais pas trop. Il y a encore. Et comme bien sûr comme comment on appelle ça, comme rune aussi. C'est puissant ça. En vrai je sais pas si ça serait bon jungle. Je vous avoue je vous avais pas montré ce sort quand même. En vrai c'est un truc qui va jouer Ah, on peut attaquer en étant un spectre comme ça, enfin en étant. Ok, les monstres ils ont l'air de donner automatiquement un. Ouais. Un bordel là. En vrai, jungle, je pense que ça fait. En jungle, vous savez ce qu'il y a. Je pense qu'il y a assez. Je sais pas s'il y a assez en vrai. Et les monstres ils sont touchés par ça? Non plus. C'est grave stylé. Je voudrais avoir le monstre. Voilà, c'est à toi. Il en plus du coup. En plus. J'adore ça, regardez. Wow. Crain, la map, c'est pas mal, hein. Ouais, bref, on a vu un peu ce que ça donnait du coup.
En vrai, c'est un bon petit champion, ça. Alors, il paraît que ça va jouer support et ADC. Je vois pas pourquoi... Ah, si, avec son E, peut-être. Mais, ouais, support à la pike, un peu. Mais pas du tout. Mais j'aime bien le style, en tout cas. T'es un peu long à tirer, ça c'est... Je me demande si en full attack speed, elle tire plus vite. Elle tire vraiment plus vite. Ou si genre c'est de la merde. Faire des petits tests, tiens. Un peu. Ah si, maintenant je peux le vendre. Ouais. Allez. T'as pris full attack speed. Pas mal comme ça. Il y a toujours le temps quand même. Par contre, j'ai ça et ça a pas l'air de proc. Ouragan, Ruinan. Ouais, c'est un peu de la merde. Bah, vu que t'as grandi ta portée, si t'as ça en plus, du coup. T'as de super mal. Ok, bon, bah écoutez, on a vu un peu ce que je voulais voir. J'essaierai de vous sortir un match avant la semaine pro, avant qu'elle sorte officiellement. Je vous promets rien, parce que sur PBE, c'est assez dur de jouer les nouveaux persos, hein, vous comprendrez. Du coup, non, je vais essayer de vous faire un match avec, un vrai match. Et bon, bah, vous verrez s'il y a une vidéo qui sort avant sa date de sortie ou pas. Voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner si c'est pas encore fait. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Très bientôt. Des bisous. À bientôt. Ciao.